Petit Maurice, alors, hein? C'est ma brave petite lunette. Bon, elle a été légèrement modifiée parce que j'ai réimprimé ce tube, ce qui s'était fendu. Voilà, bon, ben. Alors du coup, j'en ai profité pour le faire en noir. Je pense que je ferai les trois autres également en noir, un de ces quatre. Regardez-moi ça. Vous avez deviné? On va aller se faire une petite plongée lunaire. Hop. Un moment. Hé. Regardez-moi ça. C'est pas beau. J'ai préparé le matos. Donc, ma feuille noire, mon petit scratch, ma petite gomme mie-de-pain. D'ailleurs, elle est un peu sale. Je me demande si je vais pas la changer bientôt. Voilà, plus on l'utilise, plus elle se salit en fait. Bon, il y a moyen de la nettoyer, mais bon. Alors, bien sûr, du blanc. Pour le lunaire, bah, pour le lunaire, hop, on va avoir des nuances de gris. On va avoir aussi un petit bleu, une estompe, hop, un petit feutre noir pour certaines ombres, donc un peu plus renforcé. Et puis, hop, voilà, je vais attraper mon petit Jelly Roll blanc pour tous les points lumineux, très 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 lumineux. Et puis, pour faire quelque chose d'assez doux, eh bien, le pinceau. Voilà, le matos pour ce soir. Allez les amis, c'est parti, on va se faire la mer des crises. À prendre forme.
Voilà, voilà. Ça commence à devenir intéressant. Moi, encore un petit peu de travail dessus. Mais bon, ça se prend. Ça se prend comme ça, hein. On peut peaufiner. Terminé, donc le dessin de ce soir. Bon. Alors on va se rentrer. Salut la lune. On se revoit. On va se revoir bientôt. Vous êtes encore là? J'allais vous oublier. Allez, rentre.